Salut tout le monde. Ouais, on se retrouve sur Sable. On va reprendre notre voyage initiatique. Avec cette douce musique en départ. Comme s'il est de sortir du sol. Oh, je vais ramasser. Ok. Salut, Zani. Y'a quelqu'un? Où est-ce qu'il est? Le cri de centaure me fait bondir de surprise, mais faisant volte-face pour voir qui est là, je ne distingue que des ténèbres. Lève la tête! Il est très beau. J'en remarque enfin une silhouette dans l'ombre qui me fait des grands signes de bras. Mais ce n'est pas vrai, tu es jalouse. Jalouse de quoi? De moi, bien sûr. Du fait que je sois céleste pour monter jusqu'ici. Je te parie que du menu fretin comme toi n'est pas capable de monter jusqu'ici. Je trouve assez déroutant de me faire agresser de la sorte par quelqu'un que je ne connais pas. Et pourtant, je ressens une certaine exaltation quand Yel me lance ce défi. Menu fretin? Petit sable. Minuscule sable. Un grain de sable ballotté par le vent, comme son nom l'indique. Je lève les yeux vers la silhouette et l'entends glousser. Bah même pas. Défi accepté. Vas-y, monte, monte ta gueule là. Moi personne. Mais c'est parti. C'est l'heure de la fouille. Ok. Yachi. Mariachi. C'est parti.
Merde, je t'ai déjà. Je crois que j'étais en bas. Attends pour moi. Alors, premier étage. Nous la ferraille. Aussi réactif, ça promet. Porte à gauche. C'est une porte, ça, là. Voilà. Si. Ah, un asticot. Où j'y aille. On peut pas passer à côté des asticots. Hop là. Un autre. Je crois pas que je puisse remonter. Hein. Je vais essayer, mais. C'est muerte. Ah, ok. Ok. Là c'est fait. Ça, on a déjà fouillé. Ça c'est fait. Ah, faut que je monte ça. Ah,
chop, chop, chop. Oh fuck. Je pense qu'il y a un bug de texture. Fantastico. Ok, on parle à grimpette lézard, un caméo. Et voilà, on approche la pénis d'une démarche assurée, bombant fièrement le torse. Aucune importance, j'ai beaucoup transpiré. Yel ne peut pas le voir, aucun problème. Qu'est-ce que tu disais, genre? Je m'attendais à une réponse agressive de sa part, aussi son rire me supporte-t-il. Bien joué, impressionnant, vraiment. Et je sais reconnaître quand je me trompe. Tiens, signe d'alpiniste. Yel m'envoie un insigne d'alpiniste et par chance, je parviens à l'attraper. C'est vraiment une excellente journée. Tu l'as bien mérité, novice. Le fait que tu aies relevé mon défi sans te démonter prouve que tu es un véritable alpiniste. C'est une ascension extrêmement difficile et tu peux être fier de l'avoir mené à bien. Je retire ce que j'ai dit, tu es clairement du gros fretin. D'accord, merci. Et t'as rien d'autre à raconter ? Non. Ok, donc je sais pas pourquoi. Allons voir ce morceau d'épave là-bas, là, il y a un tuyau. Il y a peut-être quelque chose dedans. On ne sait jamais. Vaisseau là-bas. Derrière, un verre de terre. Hop là.
Ok. Pêche. Alors. Ah mais il est casse-couille. Wow. Ouais, c'est de la casse-couille. Ma canne à pêche, ça doit être de la merde, c'est pas possible. Mais c'était quoi alors? Des caïnes. Putain, caïnes là. Casse-couille, hein. Vache. Je pense qu'il faut que je finisse l'émission avec l'autre, il va me donner une meilleure canne à pêche, parce que là. C'est difficile sur cette manière. Que c'est leur vote. Ah. Astico. Ça. Ça mène ici. Celle-là, elle ouvre celle-là. Ok.
crois que je peux... Ouais, non. On va pas aller jusqu'au là. Ah, ok, c'est un propulseur. Ah, c'est juste pour me... Première étape, récupérer cette connerie. Ok, là va y a un autre truc. Là, qui fait. Ok. Thank you.
Non, on va faire un mur. Ça n'entendra pas. Échelle à chaque fois. Ok. Bonjour Sarine, tu as des messages non lus, Sab? Vas-y, hein. Message non lus. Ah, 04, Sarine apparaît devant mes yeux l'espace d'un instant. J'ai l'impression d'apercevoir du texte que je parviens à reconnaître, mais il disparaît aussitôt. Défense des réactions 1 à 5, l'alimentation auxiliaire marche encore, mais les systèmes de navigation s'éteignent les uns après les autres. Nous allons nous écraser, Capitaine. Il faut faire quelque chose. Débrouiller toute l'énergie restante vers les systèmes d'atterrissage. Et dites aux autres vaisseaux d'en faire autant, mais continuez tout de même d'essayer de rallumer le réacteur, on ne sait jamais. Monsieur, les réacteurs ne répondent plus depuis que nous sommes entrés dans l'atmosphère. J'ignore quel est le problème, mais il crée de nombreuses interférences. Correct. La signature énergétique a changé, Capitaine. Elle est retombée, comme si elle répondait à notre présence. Pas maintenant, Sarine, calcule-moi une trajectoire pour me poser au plus vite. C'est la priorité absolue. Nous réfléchirons du reste une fois que nous serons au sol. Système de navigation hors ligne, Capitaine. Souhaitez-vous que je... Non, je vais le faire moi-même. Récemment, on s'arrête là et je ressens une angoisse soudaine pour ces gens qui n'ont... que je n'ai jamais rencontrés et qui sont morts depuis longtemps. Étrange de s'en faire ainsi pour des défunts. Tu n'as pas de message. T'es où? Débloque-moi l'autre véhicule. Ok, bon bah... Allez, je suis tranquille, on se lance, hein, j'ai plus rien à faire ici, hein. Ah.
Ok, on se casse. Ok. Tac tac. Après, il y a ce vaisseau là. Quoique c'est pas un vaisseau, c'est un rocher. Ok. Allons voir le repère de Zan. Salut, j'ai besoin, oui, j'ai des œufs. Ah, mais il y en a encore plein. Hop, vas-y. Un prix de satisfaction vibre dans tout mon corps, ce coup légèrement soutien la poussière. 20 de plus sera parfait si tu veux. Bah, je sais pas, j'en ai combien là. Dire ça tout. Bah, tiens, regarde. Hop, tiens, mais ne serait-ce pas ma petite porteuse d'œuf? Qu'est-ce qu'il va me donner là? Open œil, ouvre une porte. Doors? Non, encore. Encore une larme. Ok. Il y a combien de... Quand tu me diras, j'ai des zones à monter. 22 plus, ouais, bah, on se reverra la prochaine fois, là, juste comme ça. C'était où? Je crois que c'est là. J'ai pas sûr. On va aller donner la ferraille à l'autre. Est-ce qu'on a des insignes? Ah non, c'est pas le
Il était où, Violo? Il est là. La qualité qu'il y a dernière fois, hein. Elle n'est pas si mal que ça, mais bon, faut toujours chercher pour s'améliorer. Non, de la ferraille. Waouh! Oh, je suis riche! La petite renifle la ferraille au travers de son boss qui a son temps de bois, je vous avais favorablement impressionné. Pas mal ça, pas mal du tout. Insigne, fouille épave. Fouille dans sa poche et on sort deux insignes et en plus, ils sont propres cette fois. C'est bien pour ça que tu es là, non? Je dirais pas que je suis venu lui apporter de la ferraille, mais que les insignes, c'est un bonus non négligeable. Ton attitude me plaît. Et si la récolte de ferraille, c'est un travail, alors les insignes sont... Quel est le mot déjà Des babioles. Inutiles, du moins un seul. Mais tout comme la ferraille, pour peu qu'on en ait suffisamment, on peut les fondre pour obtenir quelque chose qui peut au contraire bien servir un masque. Tu verras une bonne apprentie fouillée paf, tu sais. Mais bien sûr, il faudra que tu trouves quelqu'un qui accepte de te prendre sous son aile. Il éclate de rire. Rassure-toi, je plaisante, tu es doué. Je me ferai un plaisir de te prendre dans mon équipe un de ces jours. J'accepte derrière un signe qu'il me tend et je le remercie tant et plus. Ce qu'il doit profondément détester. On ne va pas verser une petite larme pour ça, hein. L'instant n'a rien de solennel. Et si tu as encore de la ferraille à vendre, tu sais où me trouver. À bientôt, sable. Vas-y, mais ouvre la porte, hein. Moi, je fais le truc derrière, là. Il y a une box, là. Putain, une box avec ta moto, là. Ouvre la porte. Putain. Faut que je fasse gaffe, je pirate ton truc. Ah bah je l'ai eu. Merci. Ah je l'ai eu. Bon, ouais, y'a plus besoin, c'est bon. Allez, salut. Ça dégage. Papa. Y'a trop de missions là, trop de missions. Je peux apporter mes insignes, vous fouillez pas, vas-y. Je crois que je peux faire un nouveau masque. Je vais t'en monter ici. Voyons voir notre endurance. Easy. Ça, mais ça bouffe quand même presque tous mes... Obtenir le masque de fouille pas. Aou. Ok, ta gueule qui est là, le truc. La baleine. Fouille épave. Ah, c'est celui-là. Je préfère mon masque.
Voilà. Beaucoup mieux. Beaucoup plus stylé. Alors. Riquette. Je vais devoir faire fuir la mer. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas vu celui-là. On perd des masses brillants. Ouais, mais moi j'ai un masque brillant. Voilà, ouais, c'est pareil, il a l'air de souffler. Ça va où ça? Ok, bon, et bah on va aller dans une nouvelle zone qui est. On va retourner là et on va aller à droite. Comme pêche. Ouais, j'appuie, j'arrête. Putain. Alors si je pêche là-dessous là, c'est une feuille, peut-être pareil.
pareil avec... Non, c'est quoi ça? De barbarie avec une fenêtre de dialogue. Ah. Eh. C'est quoi? Un alien gigoteur, ok. Ah, si je pêche là, à quoi là? Quoi ce truc à voir? C'est le verre dans Dune. Le Worms Dune. Aller là-bas. Ok. Donc. Quand on vient. Thank you.
Ah merde, j'ai compris, je croyais qu'il était rectangle. Ok. Oh merde! Ok. Non, 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 on peut pas monter au mur. Oh, ça, tu as des messages non lus. Message non lu. Message 05. Je tape du pied avec anxiété pendant que le poste de travail s'allume. Communication à l'emporté sont toujours perturbées. L'officier Ellis souhaite recommencer à porter toute son attention sur le fait de protéger les réacteurs contre l'interférence. Accordé, Sarine. Je veux que tu concentres sur les communications. Essaye de les remettre en marche sans te faire éjecter du système. Oui, capitaine. Tant qu'on y est, autant essayer de mettre les terraformers en état de marche, pas vrai? Deacon, si vous ne la fermez pas au sujet des terraformers, il ne finit pas sa phrase, préférant changer de sujet plutôt que formuler ce qui ressemble fort à une menace. Si vous aviez su la fermer, nous serions toujours en orbite, à négocier notre atterrissage avec cette planète maudite. L'air n'y est même pas respirable, et raison de plus pour lancer la terraformation sans attendre. Où voulez-vous en venir, capitaine? Écoutez-moi, Deacon, ce n'est pas possible. L'atterrissage les a salement amochés et le bouclier protégeant. Le cœur radioactif est complètement mort. Si nous les utilisons, ils diffuseront les radiations mortelles qui resteront dans l'atmosphère pendant 100 années terrestres. Ce n'est pas une option pour nous, Deacon. Qui a dit que je voulais le faire pour nous? L'enregistrement s'arrête là. Tu n'as pas de message. Messages archivés, c'est les mêmes messages que... sur moi.
Ouais, c'est ça, c'est le message qu'on a déjà lu. Non, vas-y, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que vous allez dire? Hop là. Et là, il y avait des asticots sur ces roseaux là, comme ça, qui traînent. Est-ce qu'il aurait fait pareil? Maintenant, la question, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a juste un ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que... Il va y en avoir qu'un seul.
Oh, il y en a même derrière, oh, d'accord. Là, il y a une caisse. Un verre de terre en bas. Je vais être obligé de redescendre. Obligé. Faut pas laisser les verres. Hop. Il n'y en a pas d'autres là en bas. Non, vas-y, on va aller là. Oasis sur le caillou là-bas? Bizarre. Faudrait aller jeter un œil. Ok. Allez, on continue. Thank you.
Il y a un truc là-haut. Oasis. Il y a un truc là-bas aussi. Un dôme observatoire, je suis où là? Ok. Montgolfière est là-bas. Cartographe. Ok. Tu peux mettre des webpoints longue portée, c'est ouf. C'est ouf. Ok. Je ramasse les vieilles pages usées que j'ai découvertes au petit campement. Je m'attendais pas à trouver ça ici. Elles sont bien trop tentantes pour que je les ignore. Le journal. Me voilà. Tu m'avais dit de me tourner vers Hirostra si je venais à tout perdre. Et je me retrouve sans rien ni personne, seul face à mes échecs. Je vais m'asseoir et réfléchir quelque temps. Peut-être l'élimination finira-t-elle par arriver. Sinon, j'imagine que je suis condamné. Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais je dois te le dire, Anna. Pyrosta m'a parlé d'une voix tonitruante qui m'a fait frissonner de tous mes membres. Elle m'a secoué jusqu'à la moelle en me disant que les apparences étaient trompeuses et que je devais regarder à l'intérieur de la statue. Je n'ai aucun moyen d'entrer, mais je finirai bien par en trouver un. Je dois obéir à la volonté de Pyrostra. Et je finirai par marcher dans son ombre majestueuse. C'est quoi ces trucs? Les cordes, ouais.
pêche. Ok.
Bonjour à Cassie. Cassie la chercheuse, bienvenue au Grand Vivarium. Femme assise derrière le bureau m'accueille à bras ouverts. Elle est si gentille, je me sens aussitôt la bienvenue. Tu es la novice, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce qui m'a trahi? Ta démarche. Intéressant. C'est en votre père, je suis certaine. Elle inspire profondément, comme si elle était en toute sauf sûre. Au contraire, je la laisse poursuivre. Je m'appelle Cassie, et c'est à moi qu'appartient ce vivarium. C'est un plaisir de se rencontrer. Sable. Sable, quel joli nom. Ouais, c'est Cassie. Oh, mais je radote. Fais comme si je n'avais rien dit. Bienvenue au vivarium, un abri pour tous les animaux de petite taille, des poissons les plus lustrés, aux plus fragiles, des papillons et tout le reste. Autrement dit, principalement des plantes et des cailloux. Je sais, je dois encore travailler le concept, mais c'est tout nouveau. J'ai besoin de trouver mes marques. J'ai la sensation qu'elle sourit nerveusement. Après tout, j'ai moi-même fini ma quête initiatique il y a peu. J'ai du mal à imaginer la fin de ma quête initiatique. Félicitations. Elle a fait signe d'avoir fini sa quête initiatique et créé un endroit aussi magnifique. Elle est manifestement très heureuse ici. Cassie me remercie, puis me dévisage avec intensité. Puis-je me permets de te donner un conseil? Si tu crois savoir ce que tu veux faire, réfléchis bien. Moi, par exemple, je voulais devenir pêcheuse. Et là, je m'occupe d'un vivarium, où je mène des recherches sur les poissons que j'étais incapable d'attraper. Les papillons, non plus. Ils n'arrivaient pas à les capturer. Ouais, je suis doué pour me faire des nœuds au cerveau à force de vouloir tout et son contraire de toute façon. Cassie croise les bras et m'observe un instant, puis elle semble avoir une idée. Tu sais, je m'avance peut-être, mais je me disais, cette histoire de collecte de choses serait peut-être une bonne idée pour une novice, non? Parce que plus j'y pense, plus je me dis que la plupart, la plus mauvaise pêcheuse et la pire attrapeuse de papillons qui soit au monde, autrement dit moi, n'est sans doute pas la plus à même de remplir ce vivarium. Je dis que ça m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas d'un signe à te donner, et encore moins de masque. Mais si on faisait ça pour s'amuser, par exemple, si tu as du temps libre et que l'envie de pêcher te prend, apporte-moi ce que tu attrapes et idem. Si tu arrives à capturer des papillons, je leur concocterai un habitat sur mesure. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est le genre d'activité qui sera reconnu comme vraie tâche pour novice. Ça m'a l'air très bien. Parfait, dans ce cas, à toi de jouer novice. Les poissons t'attendent et les papillons aussi. C'est quasiment la devise des novices. Et si j'en ai déjà sur toi, je me ferai plaisir d'y jeter un coup d'œil. De quoi j'ai envie de discuter avec Cassie? Allez, je lui donne des poissons. Je la sens que son visage s'illumine sur son masque. Merci, Sam, c'est génial, je vais les mettre dans mon PRM. À quoi j'en ai un? Des papillons. Des papillons. Merci, Sam, je vais vite les mettre dans une volière. C'est tout, je peux attraper des poissons, plus ou moins, oui, mais je vais te dire, j'ai pris des tas de notes du temps où j'essayais de devenir pêcheuse. Je veux bien te les échanger contre autre chose, si elles sont de nature à t'intéresser. Tiens, voilà ce que j'ai. Ouais, alors t'aimes les vendre, mais t'es sérieux? Bon, elle me les donner, je vais pêcher pour elle, là. Yoshi te dit bonjour. Yoshi lui passe le bonjour, sa joie l'entend, fait plaisir à voir. Yoshi, oh non, elle est derrière, je n'y crois pas. Tu es son apprenti? Oh non, je ne sais plus où le mettre. Il t'a dit combien j'étais nul quand il a essayé de m'apprendre le métier de pêcheur? De pêcheuse? Ok, oui. Je réponds en effet, Cassie, qu'il en a en effet parlé, mais je m'assure que ma réponse lui fasse bien comprendre qu'Oshi l'apprécie. Je suis heureux qu'il n'ait pas changé, cela me fait plaisir qu'il me passe le bonjour, parce que ce n'est pas que je pensais l'avoir déçu, mais depuis le temps, je me disais qu'il m'avait oublié. Je secoue la tête avant de répéter à Cassie tout ce que Oshi m'a dit à son sujet. Entendre tous ses compliments semble terriblement la gêner, mais en même temps, je sens bien que cela la rend heureuse. Elle secoue même la tête en agitant les mains quand je lui dis le meilleur ou le pire. Yoshi est fier d'elle. Je déteste entendre ce genre de choses. Elle part d'un rire nerveux. Non, j'exagère, c'est gentil. C'est vrai, mais c'est juste que, enfin, tu sais. Non, c'est très gentil, mais c'est me met horriblement mal à l'aise. Ça ne te gêne pas, toi, qu'on te dise des choses gentilles? Si.
cachet, hoche la tête en soupirant. Ce que je viens de lui dire lui semble l'avoir calmé. Je suis heureuse que tu me comprennes. Et merci, Sab, ça me fait vraiment très plaisir. Quelles sont les poissons qui vont s'attraper? Laisse-moi jeter un œil à l'ordinateur. Rapport concernant les spécimens de poissons. Gurpie, hurlant, livré. Palourde, boursouflée, manquée. Flèche, écaillée, livrée. Manqué, 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 manqué. Manqué, ouais. Manqué, manqué. Ok. Alors, quels sont les papillons? Donc, ça, c'est le poisson. Les papillons. Livré, livré. Poisson. Ok. Ok. Donc, on lui a acheté tout plein de merde. Courant dans les sables de Miden, difficile à rattraper, à rater. Parasite qui finit par tuer les arbres. Ok. Extrêmement courant, ta bourse. Okay. Au cœur de Miden, sous des piliers de rochers. Se nourrit de buissons de terre morte. Les herbes effourées. Cherche les âmes liées au vieux ossement. Avec des cactus. Au pied des falaises. Se nourrit de sel. Adore les monticules de crépale. C'est quoi ça? Rumeur, se nourrit de substances gazeuses. Et rouge machin. Ok. Voir faire deux spécimens de chaque. Ok. Médusette, ok. Ah, c'est pas la même. On a le même gigoteur.
Allez, allez. Toujours le même.
pas comment monter, hein. Après. Quoi ? Pourquoi il s'est pas accroché ? Il s'accroche pas là-dessus. Là. Non. Alors.
présence surprend le Lai, cartographe. Et sa réaction me surprend tout autant. Hey, Sifi, Lai, cartographe. Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'as jamais appris à ne pas faire peur aux gens comme ça? Inutile de lui répondre, c'est évident que j'ai grimpé jusqu'ici. Je vais acheter une carte, voilà ce que j'ai. C'est quoi ça? Des ailes. Effleurent la surface du sable sous l'arrêt au bout des forêts. On va t'acheter ça déjà. Et là. Je sais pas si vraiment. Vas-y, je vais l'acheter. Et ton badge, j'en ai rien à ce coup. Qu'est-ce que je peux trouver dans cette région? J'ai demandé de trouver les régions et cela a l'air de lui faire plaisir de m'en parler. La forêt pétrifiée est fabuleuse. Si tu y vas, tu découvriras d'immenses rochers géodésiques. Et qui sait, quelques créatures sympas tu pourrais rencontrer dans les environs. Le poste d'Osmoel est niché sous les ossements d'un géant du temps jadis. Et elle me dit ça d'un air théâtral. Aussi, tu n'as jamais vu la grande horloge, disons juste qu'il y a peu d'œuvres architecturales qui résonnent autant en nous. Et enfin, Pyrosta, le grand ver. La plupart des gens disent qu'il s'agit juste d'un monument ancien, d'un genre de tribu. On ne sait pas trop. C'est trop quoi. Mais personnellement, je pense qu'elle était vivante autrefois. Quelles sont les régions proches? Si tu te sens assez aventureuse, va à l'ouest, et à travers les terres mortes jusqu'au sable noir d'Aokoa. Enfin, au nord, tu trouveras Ulsan, novice. Ok. Ouais, salut. Astico. Direction. Pas bien voir, on va aller voir. On a un autre verre. Et ok. Thank you.
Thank you.
sur Azure. Quelque part derrière mes yeux. Une bribe de connaissances se forme dans mon esprit. La pierre du soleil se manifeste quand la machinerie est en place. Quand le soleil crée des ombres, offre à la pierre la réponse qu'elle cherche.
Devant moi, un genre de projection apparaît comme par magie, et dans sa géométrie flottant au-dessus du sol, je vois les lumières qui brillent dans le ciel nocturne. Je vois d'où nous venons. Alors que je me concentre sur chaque élément de cette complexe visualisation, je réalise qu'un certain savoir me transmet et que je comprends des choses. Ces connaissances semblent à la fois nouvelles et innées, comme si quelque chose me rappelait ce que je savais déjà et que j'avais oublié. Je décide de me concentrer sur... Saint-Tillon, allez. Aoélion. Un anneau scintillant de poussière dorée. Ses particules semblent flotter au gré d'une douce brise, traversant le firmament sans celle qui constitue les étoiles. Je décide de me concentrer sur le soleil. Je vois clairement que le gros orbe brillant au centre du spectacle est notre soleil. Il est si brillant que je ne peux pas le regarder en face sans ressentir une intense chaleur à l'intérieur de mon crâne. Des corps célestes tournent autour dans une danse permanente. Petite planète proche du Soleil, Emmy, et ses deux lunes tournent autour du Soleil, tout près. Telles des papillons courtisant une flamme. Emmy, la déesse à la tête de chèvre, divinité gardienne des Ibixi.
Les histoires évoquant sa sagesse et sa détermination sont celles que je préfère étant petite. Elles me semblaient plus accessibles que les autres dieux. Mes mentors disaient que c'était vers elle qu'on se tournait quand Rohanna était trop préoccupée pour nous entendre. J'aimais me la représenter sur la falaise surplombée l'aiguillère, contemplant le monde avec sagesse. Mes professeurs m'expliquaient également que grâce à certains masques, il était possible de voir l'ombre d'Emmy en regardant le soleil. Je décide de me concentrer sur la deuxième planète, Maiden, et la nôtre. Une sphère de sable et de rocailles sans rien de spécial réchauffée par la puissance et l'énergie de la perpétualité. Sorry, fun. Et je ne peux m'empêcher de remarquer que nous semblons pris au piège de notre planète. Je me sens soudain glacé, mais je me réchauffe vite en me rassurant, en me ravisant. Non, Maiden ne nous retient pas prisonniers, elle nous protège. Cette idée me permet de ressentir un certain réconfort. Je décide de me concentrer sur une forme inconnue. Le contour est une forme que j'ai bien du mal à décrire, sa géométrie pure et étrange à la fois, tellement bizarre qu'elle ne peut pas être organique. Je comprends immédiatement de quoi il s'agit, l'abîme, la chose impossible qui a donné naissance à la baleine. Grâce aux histoires que j'ai entendues et au savoir qui continue de s'éveiller en moi, je sais qu'elle a été créée par des êtres vivants, des créatures douées de conscience ayant des projets et des intentions. Mais même si je connais cette chose, je suis incapable de l'appréhender. Elle est si massive, si impressionnante, que même s'il ne s'agit que l'une réplique, je n'arrive pas à la regarder plus de quelques instants. Quelque chose en moi n'a que mépris pour elle, même si j'ignore pourquoi. Je décide de me concentrer sur la planète avec des anneaux, Carab et ses ailes. Lorsque je me la représente, la planète dotée d'anneaux est intégralement peuplée de scarabées vivant au sein d'une société extrêmement évoluée. Ce serait l'endroit rêvé pour Saïma. Mais pour moi, pas vraiment. En plus, elle a l'air plus grosse que les autres planètes. Cela fait beaucoup de scarabées. Et il est temps de passer à autre chose. Je veux dire, planète jumelle. Les planètes jumelles, corail et cobalt. Il semble y avoir des petites lunes inter-entraînées dans leur sillage. Elles traversent le firmament d'une manière si hypnotique que j'ai du mal à détourner le regard. Les deux poissons, comme on les appelle, sont les plus malicieux des dieux. Et je me souviens des légendes dans lesquelles ils se déguisent en enfants pour attirer les nomades et les noyer dans le courant des dunes. Les Ibexi racontent ces histoires effrayantes pour empêcher les enfants trop intrépides de s'aventurer loin de chez eux. Du coup, on peut presque s'étonner que nos parents nous laissent partir en quête initiatique. Une partie de moi regrette que les poissons ne soient revenus en mémoire. Je risque d'avoir du mal à ne pas me méfier des enfants errants que je croiserai maintenant. Ben voilà, on a tout regardé. Hein. Hop. Des machinistes. C'est tout. Ok.
Ok. C'est par où déjà? Stico là-bas. Hop là. Voilà, et nous, on est venu pour monter là-haut. Ah merde, je peux aller tomber en bas. Bizarre ce truc sous son bras là. Ça devait être des indices pour ouvrir pour faire les trucs qu'on vient de faire là. Ça devait être ça. J'imagine. Là on a un truc ici à récupérer. Thank you.
qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et bah, sur ce dernier plan, on va cesser, on reprendra la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.